Si demain je perds tout, voici les 10 produits que je rachèterai direct. Aujourd'hui, je vais te parler de mes produits préférés pour les cheveux. Hello, je suis Sandra Cerise, c'est mon vrai nom, et voici la carte d'identité de mes cheveux. Je vis en Guadeloupe, donc il fait un climat chaud, humide. Donc sur ma carte d'identité, j'ai une porosité moyenne. Je suis donc à 15 mois de transition capillaire. J'avais les cheveux défrisés pendant plus de 30 ans. Et là, ça fait 15 mois que j'ai arrêté et les colorations et le défrisage sur mes cheveux. Ma porosité, lorsque j'avais les cheveux complètement défrisés, était faible. J'avais les écailles complètement fermées. Depuis que je suis en transition, je vois que sur mes cheveux naturels, j'ai une porosité, j'ai l'impression qu'elle est moyenne. J'aurai plus d'informations lorsque vraiment je vais faire le Big Shop, mais pour l'instant, j'ai l'impression que mes cheveux ont une porosité moyenne. L'épaisseur de mes cheveux, moyen à épais, ça dépend de où je le prends. À l'arrière, je dirais que c'est moyen. Tout ça là, c'est épais. Comme tu peux le voir là, sur un cheveu à moi. Mon type de cheveux, alors comme je t'ai dit, en transition. Et mes cheveux naturels, ce sont des boucles de type 3B, 3C. Comme tu peux le voir là. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, plusieurs textures. Mais je prends la majorité. La majorité, c'est 3B, 3C. Et la densité de mes cheveux, je pense que tu le vois. J'ai une forte densité. Maintenant que tu sais ça, je vais te présenter les 10 produits que si là, je perdais tout, je rachèterais tout de suite. Alors, pourquoi 10 et pas un autre chiffre? C'est vous qui avez choisi. Au début, je voulais faire un top 5. Vous m'avez demandé finalement un top 10. Alors, on y va pour le top 10. Les produits seront présentés par catégorie. Et là, aujourd'hui, nous allons faire les huiles, le co-wash et le shampoing clarifiant. C'est parti pour les huiles. Comment j'utilise les huiles? Je peux l'utiliser en pré-poux, c'est-à-dire en bain d'huile. Je peux aussi l'utiliser mes huiles pour sceller l'hydratation. Donc ça veut dire que là, je ne rince pas. Et je vais l'utiliser aussi le lendemain de mon co-wash pour m'aider à séparer les boucles. Tu sais, les cheveux, souvent, ils sont collés comme ça. Les séparer. Donc je mets un petit peu d'huile dans les mains et je sépare. Encore une fois, je ne rince pas. Si tu te demandes qu'est-ce que c'est qu'un pré-poux, c'est un soin qui sert à préparer tes cheveux avant de faire ton shampoing. Et cette étape sert à renforcer, à fortifier tes cheveux. Et moi, je l'utilise aussi pour m'aider à démêler mes cheveux avant mon shampoing. Alors, la numéro 1, la best de best, s'il y avait un prix à lui donner, j'ai tous mes produits là, ce serait celle-ci. Donc, cette huile vient de chez Créolescence, Haitian Black Castor Oil. Donc, je l'utilise pour le massage, pour le bain d'huile. Elle est aussi parfaite pour la pousse. Cette huile-là, elle est alors ricin. Donc l'huile de ricin, romarin et menthe poivrée. Donc je l'applique sur le cuir chevelu et aussi en bain d'huile. Donc ce que j'aime, c'est que c'est vraiment spécial pousse. Ce que j'aime, c'est que ce sont que des ingrédients, etc., vraiment qui stimulent la pousse. Tu peux l'appliquer de différentes manières, que ce soit sur le cuir chevelu, que ce soit sur les longueurs. Pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et quand je l'applique, je sens ce petit côté frais sur le cuir chevelu. Et quand tu as une masse capillaire comme ça, quand tu as une forte densité, que tu arrives à sentir, tu as l'impression que tu sens le vent passer tellement que ça fait frais, ça fait trop du bien. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et pourtant j'en suis là. Je vous la recommande. Alors, c'est de la marque Créolescence. Il y a certaines marques où j'ai réussi à avoir un code promo. Je vous l'affiche à chaque fois en bas de l'écran. N'hésitez pas à regarder le moment où j'ai parlé de cette huile-là, la vidéo où j'ai parlé de Créolescence. Dans le titre, je mets toujours le nom de la marque. Donc, ce sera facile pour vous de le retrouver dans le moteur de recherche de YouTube. Donc, voilà. La best, the best, the best. Tu cherches une huile, tu ne sais pas quoi prendre. Ça c'est vraiment... Demain, je perds tout. La première bouteille d'huile que je vais acheter, c'est celle-ci. Je te mets le lien de leur site internet. Ouais, je mettrai le lien des sites internet dans les barres d'informations. OK? Le prix numéro 2 revient à Créolity. Donc, c'était dans un emballage comme ça. Je l'ai déjà terminé. J'ai gardé l'emballage parce que j'aime beaucoup l'embout applicateur. Je vais le réutiliser. Pareil pour le bain d'huile, sur les longueurs. Spécial pousse aussi. C'est fait uniquement avec des plantes...
des plantes de nos îles, de Guadeloupe, donc j'aime bien. Et elle est beaucoup plus légère que l'huile que je t'ai présentée juste avant. On sait déjà que l'huile de ricin, c'est une huile qui est épaisse, qui est lourde, d'accord? Celle-ci est beaucoup plus légère. L'huile que je place en numéro 3, c'est la marque Love Coco Hertz. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'il y a plusieurs senteurs. Par exemple, celle que j'ai dans les mains, là, elle est à la caramel. Donc, c'est de l'huile de coco qui est parfumée à plusieurs senteurs. J'ai fait la mienne aussi, de cerise, bien évidemment. Et d'ailleurs, je profite pour placer, il m'en reste 3. Hein. Donc, si tu en veux, l'huile de coco à la cerise. Donc, ce que j'aime bien, c'est en finition, ces huiles-là sont superbes. C'est-à-dire, dans la journée, comme ça, tu vois, tu veux mettre un petit peu d'huile sur les pointes ou autre. C'est-à-dire que tu ne rinces pas. Voilà, c'est ce que j'appelle en finition. C'est pas un bain d'huile, tu ne le rinces pas. À appliquer sur tes cheveux, c'est génial parce que ça sent super bon, ça parfume. C'est pas une odeur de menthe poivrée ou de, tu vois, comme les autres que je t'ai montré, de ricin et tout que tu vas sentir. Tu vas sentir l'odeur que tu as envie, que tu auras choisi. La cerise, une odeur fruitée, ou alors le caramel là que j'aime bien, une odeur sucrée. Franchement, tu, caramel, tu as plein de senteurs. Et en même temps, ça prend soin de tes cheveux. Mais pour ça, il faut que tes cheveux aiment l'huile de coco. C'est pour ça qu'elle est en numéro 3, parce que c'est pas tout le monde qui aime l'huile de coco. En numéro 4. Je vais mettre Atanga. Je n'ai plus la bouteille d'huile, je l'ai déjà terminée. Il y a une odeur de citronnelle très présente dans cette marque-là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle ne laisse pas de film gras. En numéro 5, la marque Carival. Alors, c'est une huile, un macérat de Chebe. Donc, tu peux l'appliquer 3 fois par semaine. C'est un stimulant capillaire, donc qui favorise la pousse. Donc, c'est de l'huile de ricin et de la poudre de Chebe. Donc, tu peux l'utiliser en massage capillaire, donc 3 fois par semaine, comme je t'ai dit. Tu peux l'utiliser aussi en bain d'huile. Tu peux l'appliquer aussi sur tes pointes, c'est-à-dire en finition, si tu n'as pas envie de rincer. Enfin bref, multiple utilisation. Elle est quand même un petit peu épaisse parce que c'est de l'huile de ricin et de la poudre de Chebe. Donc, l'huile de ricin, tu connais déjà. Numéro 6, Evazer. On ne pouvait pas parler d'huile de ricin sans parler d'eux. Evazer. C'est la base. J'ai oublié de dire en vidéo, tous les produits que je vais te présenter, ce sont des produits Black Hound et Vegan. Ok? Je ne vais te parler que de ça. Donc, Evazer, j'aime beaucoup leur valeur et leurs produits. Très efficace. Donc, numéro 6. En numéro 7, nous avons Purpose, l'huile de Purpose. Donc, elle stimule la pousse. C'est une huile de pépins de raisin, d'huile d'avocat, d'huile essentielle de menthe poivrée. Et elle est notée, elle a une note INSEE de 19 quand même. Hein. J'ai oublié de vous dire aussi que Evazer a une note INSEE de 20. Le tout premier produit que je vous ai montré, qui est le top 1 créole essence, a une note INSEE de 20. 20 sur 20. Donc, voilà. En numéro 8, on passe à Fée Caraïbe. Fée Caraïbe, je l'ai mis en numéro 8. Elle a perdu des points à cause de l'odeur. Je ne suis pas fan de café. Ça sent le café. Je ne suis pas fan de café. Donc, elle a perdu des points à cause de ça. Sinon, c'est une huile qui est très légère. Donc, tu peux l'appliquer de plusieurs façons. Bain d'huile, finition, massage. Rien à dire. Et le café a des vertus pour la pousse des cheveux. Donc, c'est recommandé. Si tu as un objectif pousse pour stimuler ton cuir chevelu, go! Numéro 9, l'huile de noir au naturel. Je ne suis pas spécialement fan de l'odeur. Je ne vais pas dire que ça sent mauvais. J'ai déjà utilisé des huiles qui sentent mauvais, qui ne sont pas dans le classement. D'accord? Mais je ne trouve pas l'odeur ouf. Ok? Faut pas te fier à la petite quantité comme ça. Parce que moi, quand je l'ai vu comme ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, je vais l'utiliser 2 fois, il n'y aura plus rien. C'est faux. J'ai déjà utilisé 3 fois et j'en suis ici, là où il y a mon doigt. D'accord? Donc, ne te fie pas à ça. C'est bien. Et le dernier que j'ai mis en numéro 10, que je n'ai plus, j'ai déjà terminé, de la marque Xonapi. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Je l'ai terminé, mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Mais il était efficace sur mes cheveux. La finition était légère aussi, donc je pouvais l'utiliser de plusieurs manières. Mais étant donné que je n'aimais pas l'odeur, je l'ai utilisé uniquement en bain d'huile. C'est terminé pour les huiles. On va passer à la deuxième catégorie qui est le co-wash. Le co-wash, c'est un produit que vous devez utiliser si vous faites plusieurs shampoings par semaine. D'accord? Parce qu'il est déconseillé de faire plus de 2 shampoings par semaine lorsqu'on a un autre type de cheveux. Comment ça se fait que tu peux arriver à faire plus de 2 shampoings par semaine? Alors, ça dépend de ton activité, ça dépend de ce que tu fais, si tu es dans un endroit qui a de la poussière, que tu n'as pas protégé tes cheveux. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, moi, ce qui peut m'arriver de faire plus de... faire 2 shampoings par semaine au lieu d'un, je fais 1 shampoing par semaine. Mais si dans la semaine je vais à la mer ou à la rivière,
Bon, j'allais dire à la piscine, mais bon, généralement, piscine, je mets un bonnet. Mais quand je vais à la mer ou à la rivière, oui, il faut rincer. Surtout la mer, il faut rincer tes cheveux. Et du coup, bah, tu te dis, ok, je vais recommencer ma routine, je vais refaire mon shampoing, mon masque, etc. Tu fais un co-wash. Voilà. C'est moins agressif pour tes cheveux. Si aussi, je sais pas, tu fais beaucoup de sport, tu as fait une randonnée ou je sais pas quoi, tu rentres chez toi, tu as envie de faire un bon shampoing après une randonnée ou un truc comme ça. Fais un co-wash. Bon, maintenant, c'est pas un produit, honnêtement. Là, je vais te présenter les deux meilleurs. Mais c'est pas quelque chose. Là, si je perds des touches, je n'achèterai pas les deux, j'en achèterai un seul parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et sachant que je ne sais pas le délai, c'est entre 3 ou 6 mois. Enfin, faut regarder sur les boîtes. Faut bien regarder hein, combien de temps vous pouvez garder vos produits cosmétiques. Il y a une date limite. C'est pas genre tu l'as ouvert il y a un an. Tu sais pas quand est-ce que tu vas le finir et tu dis bon moi je vais le jeter quand il sera fini. Non. Regardez bien la date. Donc moi j'en achèterai pas deux, j'en achèterai un seul. Quoi qu'il en soit, je te montre les deux meilleurs. Le premier pour moi, le meilleur, c'est celui de Créole Essence. Alors pourquoi? Ils sont super bons. Non mais ça a une odeur sucrée, c'est bon. Bref, ils sont super bons. Il fait le job, il lave tes cheveux sont très doux. Effectivement, quand tu laves avec ça, c'est un co-wash. Ça n'assèche pas tes cheveux, tu n'as pas besoin de faire un masque derrière, tu n'as pas besoin de faire un après-shampoing, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça lave tes cheveux sans les dessécher. Si je perdais tout, je rachèterais un co-wash, je rachèterais celui-là. Maintenant, je te montre un deuxième. Celui qui arrive en numéro 2, c'est celui de Atanga. Alors, je ne sais pas si tu vas réussir à voir où il en est. Voilà, tu vois, j'ai presque fini. Donc, tu vois quand même que j'utilise des co-washs de temps en temps, mais pas de fou, pas tout le temps. Donc, celui-ci, il a une odeur de citronnelle. Je vous ai déjà dit, cette marque-là a une odeur de citronnelle très présente. Il lave bien aussi, mais il arrive en numéro 2. Je préfère l'autre quand même. Mais j'ai déjà testé plusieurs co-washs et franchement, ces deux-là, pour moi. On arrive à la dernière catégorie. La dernière catégorie, ce sont les shampoings clarifiants. Le shampoing clarifiant, je fais ça une fois par mois sur mes cheveux et sur les cheveux de Poupoune, c'est un mois sur deux. Ok? Les shampoings clarifiants, à quoi ça sert? Le shampoing clarifiant, il va soulever les cuticules de tes cheveux. Donc, ça va te permettre de bien nettoyer tes cheveux, de finir d'enlever tous les produits que ton shampoing et tout ça n'ont pas réussi à enlever vraiment profondément. C'est un nettoyage en profondeur. Les shampoings clarifiants, ils ont un pH basique. Donc, ce qui est bien avec les shampoings clarifiants, c'est que comme ils soulèvent la cuticule, il permet aussi à l'eau de rentrer. On est d'accord, c'est notre objectif. Comme on veut hydrater aussi nos cheveux, on veut que l'eau rentre un maximum aussi. Donc, c'est ça qui est bien avec les shampoings clarifiants. Comme je t'ai dit, il va éliminer tous les résidus de produits, de saletés. Et c'est important d'avoir ce type de produit dans votre routine. Trop de personnes négligent, pardon, les shampoings clarifiants. Attention quand même, parce que si tu fais un shampoing clarifiant trop souvent, tu auras l'effet inverse. Parce que ça va être trop agressif pour tes cheveux. Je te présente mon top 5 parce que j'en ai pas plus que ça de shampoing clarifiant. Le premier, c'est celui de Créolair. C'est un shampoing clarifiant solide. Le top du top. Le top du top. Il te faut un shampoing clarifiant, prends celui-là. Honnêtement. Une pure merveille. Donc, comme tu peux le voir, il est solide, il est très efficace, il dure longtemps, il rend mes cheveux brillants. C'est le même shampoing clarifiant que j'ai depuis super longtemps. Le deuxième shampoing clarifiant, celui que je mets en numéro 2, c'est celui de Noir au Naturel. Alors, déjà, il perd un point parce que bah, y a un déchet. Ce n'est pas un shampoing solide. Mais sinon, c'est le shampoing le plus doux que je connaisse dans les shampoings clarifiants. Donc pour celles qui débutent dans leur routine ou pour les enfants, je te conseille vraiment celui-là de Noir au Naturel. La mousse est généreuse, il est à base de poudre indienne et d'hibiscus. Donc franchement, il est bien. Mais tu vois les problèmes? Regarde, j'ai un problème avec le capuchon qui ne se ferme pas bien. Je ne sais pas si tu vas le voir. Donc je suis obligée en fait de le laisser debout comme ça. Donc c'est super compliqué à stocker, à mettre ça quelque part bien debout dans un sens où il n'est pas fait pour être debout comme ça. Bref. Ça lui fait perdre des points. Mais au niveau efficacité, top. Deuxième. Celui que je mettrai en numéro 3, je ne l'ai plus, je l'ai terminé, c'est celui de Xonapi. Alors, il est très bien, il fait bien le job, il nettoie très bien, il ouvre très bien les écailles. Ce qui fait que je l'ai mis en numéro 3 et pas plus haut, c'est parce que déjà, il est très fort. Parmi tous les shampoings clarifiants, c'est le seul qui a fait dégorger ma couleur. Je rappelle, cette couleur, je l'ai faite il y a au moins 3 ans. Tellement qu'il a ouvert les écailles. Il a fait dégorger ma couleur. Donc, c'est pour te montrer à quel point lui, son pH. Voilà. Sinon, il est très liquide. Donc, ça,
Je suis pas fan de la texture parce que tu le mets, ça coule tout de suite dans ton cou, partout. Enfin, c'est voilà. La texture, je suis pas fan. Mais sinon, il fait le job, il est bien. Bonne quantité, voilà. Quatrième, c'est celui de Musoya. Alors, eux, ils le présentent pas comme un shampoing clarifiant. C'est écrit shampoing crème, cheveux afro, crépus, frisés, loxés. Pour moi, ça, je vais l'utiliser comme shampoing clarifiant. Parce que quand j'ai terminé avec, j'ai eu la même sensation quand je me lave les cheveux avec un shampoing clarifiant. Je ne suis pas fan de la texture crème. C'est vrai que ça, c'est embêtant, ça ne mousse pas. Enfin, crème, tu entends? Crème. Ça ne mousse pas. Mais il fait le job, il nettoie. Et j'ai vraiment senti, quand tu finis d'utiliser un shampoing clarifiant, tu sens que tes cheveux sont rêches. Parce que c'est normal. Il a ouvert les écailles, il a fait le taf, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est un shampoing clarifiant. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Et celui que je mettrai en dernière position, c'est celui de Carival. C'est un. Je n'en ai plus, je l'ai terminé. Il fait plusieurs choses. Tu peux te laver les mains avec, tu peux te laver le corps et faire shampoing avec. Pour moi, c'est un shampoing clarifiant. Il est à base de savon noir. Tout comme celui de Xonapie aussi, qui était à base de savon noir. Je l'ai terminé déjà. Je l'ai utilisé plus comme gel douche, j'avoue. Mais tu as mon classement. J'en ai fait 5, c'est ça. Voilà. Mes 5 shampoings clarifiants préférés. Si ce type de vidéo te plaît, dis-moi ça en commentaire. Ne garde pas ça pour toi. Dis-moi ça en commentaire. Mets-moi un like. Partage la vidéo. Samedi prochain, je vais te présenter mon top 10 de shampoings, leave-in et de spray démêlant. Tu vois, on fait dans l'ordre. Je récapitule. Le shampoing, je le fais une fois par semaine. Pour moi et ma fille, c'est pareil. Le co-wash, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que tu as compris. Et le shampoing clarifiant, une fois par mois pour moi et une fois tous les 2 mois pour ma fille. C'est important. Si tu as l'impression, si tu as les cheveux ternes, fais un shampoing clarifiant. Si tu as l'impression que tes produits ne fonctionnent plus comme avant, au début tu l'as utilisé, c'était waouh, là tu, mais c'est bizarre, je comprends pas. Fais un shampoing clarifiant. Tu as l'impression que tes cheveux sont secs, qu'ils ne retiennent pas bien l'hydratation. Fais un shampoing clarifiant. Fais un shampoing clarifiant. Je ne sais pas comment je peux te le dire mieux encore. Il faut intégrer ça dans ta routine. Vous négligez trop ça alors que ça a une puissance, les gars. Bref. Bon, à samedi prochain, qu'on le dit, ok? Prends soin de toi, prends soin de tes cheveux. Et n'oublie pas, mon t-shirt est toujours en vente. Attends. Je te mets le lien aussi dans la barre de description pour que tu puisses commander le tien. Encore une fois, tu choisis ce que tu veux mettre devant, derrière. Moi, sur celui-là, j'ai mis les règles. La règle pour pouvoir mesurer l'évolution de mes cheveux. Je te fais des gros bisous. C'est tout pour moi. Thank you.